vous rappelez, la sœur Nancy a dit, pourquoi ne pas faire lundi aussi? Parce qu'elle aime être aux pieds de Jésus. J'espère, c'est pas aux pieds du pasteur. Parce que donc j'ai fait l'expérience, j'ai un élève qui m'a pourchassé pendant toute une journée. Il avait 4 périodes, les 4 périodes, il était dans ma classe, il me dit, monsieur, j'aime vous écouter. Donc j'espère que ce soir, nous ne sommes pas ici pour écouter uniquement le pasteur. Bien qu'il parle bien, c'est vrai, mais nous savons que c'est Dieu qui l'utilise pour pouvoir vous procurer et vous transmettre au message. C'est ainsi que nous vous souhaitons donc une bienvenue tout à fait spéciale parmi nous. Et nous vous invitons à être avec nous demain, vendredi et samedi matin pour clôturer l'effort. Nous espérons que vous allez être là. Nous comptons sur votre présence. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour débuter le programme en chantant les paroles du chant Esco numéro 342, qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Debout, s'il vous plaît. Se fait au psaume 116. Nous lisons ensemble. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie.
Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Inclinez-nous pour la prière. Seigneur, nous voici tes enfants réunis devant toi pour te louer et t'adorer en esprit et en vérité. Si nous sommes ici, Seigneur, c'est parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Celui qui nous a fait et à qui nous appartenons. Nous reconnaissons aussi, Seigneur, que tu es notre Père, un Père merveilleux, un Père extraordinaire, un Père qui prend soin de ses enfants et ne les abandonne jamais, un Père plein de compassion, plein d'amour et de bonté pour ses enfants, en qui nous pouvons avoir confiance et sur qui nous pouvons compter à tout moment, car dans toutes les situations où l'on se trouve et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, du moment que nous t'invoquons, du moment que nous te cherchons sincèrement, tu te révèles à nous. Amen. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Que ton nom soit grand d'éternité en éternité. Aussi ce soir, Seigneur, nous sommes ici pour venir écouter ta parole. Nous sommes là depuis déjà 3 semaines, nous sommes à notre 4e semaine, où ta parole est proclamée avec force dans notre église à Bethel. Nous te demandons, Seigneur, de nous bénir, de nous donner la grâce de rester toujours sous ta divine protection et de faire en sorte que ta parole soit toujours sur nos lèvres et soit inscrite à jamais dans nos cœurs. Nous te demandons aussi, Seigneur, de bénir et ton serviteur, le pasteur Jean-Hercule Toussaint, qui, soir après soir, nous livre ton message. Que ce message, Seigneur, soit et délivré avec force et autorité et que chacun de nous sorte d'ici édifié à salut. Bénis-nous, fais-nous du bien au-delà de nos espérances. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Et nous avons maintenant une capsule famille qui sera faite par notre sœur Yannick. Bonsoir à tous. Bonsoir. Très contente d'être avec vous. Vous vous souvenez, notre première capsule sur la famille, ça parlait de la violence conjugale.
On avait établi le lien, c'était quoi la violence conjugale. Vous êtes déjà habitué avec le concept violence conjugale. C'est que c'est le rapport, c'est quand il y a utilisation de force ou de pouvoir physique ou psychique dans le but de contrôler, de dominer l'autre. Ça se passe dans des relations intimes, mariage ou avant le mariage, dans les relations intimes. On avait vu plusieurs formes de violence, verbale, psychologique aussi, physique, économique et autres. Et la semaine dernière, on avait vu les méfaits de la violence conjugale. Vous n'allez pas oublier, à chaque fois que le sujet, la capsule est présentée, nous mettons toujours l'accent sur tolérance zéro. Parce que Dieu nous a créés, pas comme des esclaves. Nous devons, quand nous sommes rentrés dans le mariage, nous sommes rentrés comme adultes. Dans ce cas, on doit se comporter comme adultes. On doit se respecter mutuellement. On avait vu la semaine dernière les méfaits de la violence conjugale. C'est que si les partenaires peuvent tolérer la violence conjugale, mais pour les enfants, on avait vu tout le mauvais côté. Comment il y a une certaine rancune, l'amertume qui reste dans le cœur des enfants, qui s'exprime sous plusieurs formes, parmi lesquelles nous avons vu des réactions psychosomatiques dans le corps. Comment quand l'enfant, pour certains enfants, soit ils font pipi dans le lit, ou du moins il y a problème d'adaptation scolaire, ou du moins les enfants sont agressifs. Et arrivé à un certain âge, il y a même une sorte d'ambivalence sexuelle. Tout ça sont les conséquences de la violence conjugale, si les parents peuvent vivre la violence conjugale, mais l'effet négatif sur les enfants. On avait mis surtout l'accent sur un exemple pour un garçon qui, quand la mère accepte la violence conjugale, qu'est-ce qui arrive? Fort souvent, après avoir été victime, elle va se plaindre auprès de son enfant. Par exemple, auprès de son garçon, de son fils. Tu vois, papi, si ton papa m'a fait ça. Et puis voici l'enfant, le petit garçon qui est obligé maintenant de rassurer sa maman. Le rôle est inversé. La maman qui était placée pour rassurer l'enfant, maintenant c'est à l'enfant de rassurer la maman ou le parent. Qu'est-ce qui arrive plus loin, ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que cet enfant qu'il est, ne saurait être en mesure de combler ou de rassurer sa maman. Il ne peut pas prendre la défense de sa maman. Dans ce cas, le petit garçon développe avec un certain complexe un sentiment d'incapacité. Dans ce cas, il n'a jamais été à la hauteur de consoler sa maman quand sa maman était en difficulté. Et la réaction dans le mariage, plus tard quand il sera vieux, maintenant il est dans le mariage avec sa femme, au moindre remarque ou demande de la femme auprès de son mari pour lui dire « ça ne va pas bien, j'aime pas ça », l'enfant, le mari maintenant, l'enfant qui est devenu mari, est à la défensive. Pourquoi? Il se rappelle « j'étais impuissant face aux demandes de ma maman, la même chose, la femme me revient encore. Dans ce cas, je déteste cette femme-là, laisse-moi en paix là, je ne veux rien savoir. » Voyez-vous, dans ce cas, il faut faire très attention. Violence conjugale, tolérance zéro. Ce soir, je voulais juste mettre l'accent pour vous, surtout sur le côté pour les filles. Ce que je voulais vous dire concernant les filles, vous savez qu'il y a la famille qui se charge de satisfaire les besoins élémentaires des enfants. La famille est également constitue également la première et la principale source d'information pour l'enfant. C'est encore de la famille que l'enfant apprend à penser, à réfléchir sur lui-même et à sa façon de concevoir les autres. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est que ce que les enfants voient ont une grande influence sur leur conception de l'avenir. C'est comme ils voient papa et maman, papa qui cherche, excusez-moi si je prends le père, parce qu'il y a des hommes aussi qui subissent la violence conjugale. Si on prend le père, que le parent, l'enfant voit que le père qui toutefois cherche à dominer la mère et que la mère ne fait que subir tout le temps, qu'est-ce qu'il va avoir en tête? C'est comme si l'exemple dans le couple, une femme est faite toujours pour obéir et aussi être soumise, mais être toujours la victime, être prêt à tout supporter. Par exemple, ou à supporter n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si nous prenons la violence conjugale. Une femme qui prépare à manger, par mégarde, pourrait laisser un placard ouvert à la cuisine. Et voici le monsieur qui arrive. Hey, c'est quoi ça? Tu laisses toujours traîner les choses. Regarde-moi ça. Toi, là, t'es négligente. Toi, ta. Et puis, il traite son épouse ou sa conjointe de toutes sortes de mots. Et puis, il frappe
touche tout. S'il y a des casseroles quelque part, il renverse tout. Dabadabadabado. Et la femme qui est stressée, qui a peur, qui tremble, mais l'enfant observe. C'est quoi ça? C'est toi? C'est ta faute là? Tout le temps tu laisses la porte du placard ouverte. C'est pas croyable. Ok? Et puis qu'est-ce que la femme fait? La femme a peur, reste dans un coin. Va ramasser tes affaires là. Va ramasser la casserole. Tu vas la laisser encore traîner par terre. Vous comprenez l'ambiance, l'atmosphère? L'enfant, lui, il regarde, il observe l'attitude de la mère. Et la mère qui ne dit rien, qui timidement va ramasser les casseroles et les replacer. Mais ce n'est pas la mère qui avait renversé les casseroles. C'est le père qui a fait l'acte d'agression, qui a agressé sa femme. Mais qu'est-ce que l'enfant, la fille, va prendre? Ok, dans les relations de couple, la mère est toujours là pour être soumise et obéir à tout ce que le père demande. Et demain, quand elle va se placer en famille, elle va être dans le couple aussi, elle sera prête à tout accepter de son mari. Parce que le modèle qu'elle avait, c'est une mère qui accepte tout, qui ne se défend pas. Et aussi, elle va voir une mère aussi qui est démissionnaire, une mère qui n'est pas en mesure de se défendre, et l'enfant, encore une fois, ne va pas se sentir en sécurité. Et tant d'autres choses encore. Mes frères et sœurs, violence conjugale, tolérance zéro. Vous savez, au Québec, l'âge pour contracter mariage, c'est à 16 ans. Dès qu'on a 16 ans, on a besoin juste d'un consentement d'un tuteur ou d'un parent pour se marier. Mais à 18 ans, on n'a pas besoin de consentement des parents, on peut se marier. Cela sous-entend quoi? C'est deux adultes qui rentrent dans le mariage. Le respect doit être réciproque. Je vais terminer avec l'auteur qui disait, Dieu n'a pas pris la femme à côté et au niveau des pieds de l'homme, ni sur, à côté de sa tête, mais il l'a pris à côté. C'est un égal, c'est vis-à-vis. Dans ce cas, il n'y a pas question de l'homme est supérieur ou vice-versa. Nous devons nous respecter les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, nous allons passer au moment de louange. Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Nous allons commencer notre moment de louange avec le chant « Jéhovah est son nom ». Et je vous invite à vous mettre debout.
vaillant guerrier, le vainqueur des vainqueurs est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est celui-là qui nous a choisis. Lui qui a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ. Et maintenant, comme le thème le dit, c'est le moment de choisir. Est-ce que vous êtes prêts à choisir celui qui vous a choisi? Nous allons chanter le chant thème. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Amen. Le chant dit encore et encore, à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai, mon Seigneur, à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. J'espère que c'est votre mot de ce soir, votre mot à votre Dieu, votre engagement à votre Dieu, que nous allons adorer notre Dieu jusqu'à ce que la mort nous sépare de notre Dieu. Amen. Amen. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité.
Que nous voulons habiter à la maison du Seigneur, nous allons apporter nos requêtes à notre Dieu, celui qui délivre, celui qui a des oreilles pour entendre, celui qui a des bras pour nous porter secours. Le cri de mon âme s'élève vers toi et nous vous invitons à apporter vos requêtes. Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est toujours avec un immense plaisir et une grande joie que nous nous approchons de ton trône de grâce avec la certitude que tu es prêt à nous accepter, prêt à nous exaucer, prêt à nous accueillir. En tout premier lieu, Père des cieux, nous voulons te confesser nos fautes, nos péchés, nos imperfections, car il est dit dans ta parole, aucun n'est juste devant toi. Aussi, prenons-nous conscience du besoin de ta présence dans notre vie, de ton pardon, de ta grâce. Et nous voulons également te remercier de nous avoir permis de passer la journée en bien et de conduire nos pas ici pour participer à cette série de conférences. Et merci pour toutes les grâces que nous avons reçues de toi. Notre Dieu, notre Père, nous voulons réclamer pour chacun de nous ton Esprit Saint, car seul ton L'Esprit Saint peut nous aider à marcher selon ta volonté, à marcher, à être des hommes et des femmes qui marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit.
Seigneur, merci pour ta protection du début jusqu'à cette présente minute où chaque soir tu as permis à tes enfants de laisser leur maison pour venir ici et tu as été à nos côtés. Nous disons que ton nom soit loué d'éternité en éternité. Merci pour la santé, l'énergie, la force que tu as donnée à ton serviteur, Pasteur Hercule, qui soir après soir prêche ta parole ici, excepté lundi et jeudi. Nous disons encore que ton nom soit loué d'éternité en éternité. Merci pour l'intervention de l'Esprit-Saint dans le cœur de chacun de nous, car il n'est pas donné à un homme d'accepter Jésus dans sa vie. Et quand quelqu'un accepte de suivre Jésus, c'est un miracle. Nous disons encore que ton nom soit béni. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, tandis que tes enfants viennent de poser un acte de foi, car dans cette boîte, il n'y a aucune magie, aucune puissance. Tout ce qui se trouve dans cette boîte, ce sont des requêtes. En se déplaçant pour venir ici, c'est parce que tes enfants te font confiance et nous avons la certitude que tu nous exauceras. Seigneur, tandis que nous cheminons, nous marchons vers la fin de cette période d'évangélisation, permets que toutes les requêtes qui ont été déposées dans cette boîte, soir après soir, puissent être exaucées pour la gloire de ton nom, car tu es le Seigneur de l'impossible. Oui, Seigneur, nous savons que tu connais en particulier chaque petit bout de papier placé dans cette boîte. Les requêtes se trouvent dans les papiers et les besoins de tes enfants, puisque c'est toi qui as l'habitude de répondre, c'est toi qui peux faire tout ce qui est possible pour rendre heureux tes enfants. Nous te prions en ce moment, ô Dieu, de plonger tes regards dans cette boîte et de regarder chaque bout de papier et de regarder chaque requête déposée. Et de sorte que dans ta miséricorde, tu puisses voler au secours de tes enfants, tu puisses opérer des miracles dans notre vie et que nous puissions nous lever pour dire tout ce que tu as fait pour nous. Et permets, ô Dieu, que chacun de nous puisse faire des expériences personnelles avec toi, car nous savons que tu ne permettras pas à tes enfants de te prier en vain. Tu ne permettras pas que les différentes requêtes qui ont été présentées devant toi soient faites en vain. Et nous savons, ô Dieu, oui, dans ton amour infini, tu vas nous exaucer et tu permettras à chacun de nous de réaliser combien tu es grand, tu es bon, tu es miséricordieux. Ô Éternel notre Dieu, s'il y en a qui viennent pour la première fois ici, qui ont déposé quelque chose dans cette boîte, au nom de Jésus-Christ, que leur requête soit exaucée pour la gloire de ton nom. Et s'il y en a, Seigneur, qui passent par des moments extrêmement difficiles et ils ne savent où se tourner, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient libérés et délivrés. Ô Seigneur, s'il y en a qui sont malades, qui ne le savent même pas, qu'ils soient guéris pour la gloire de ton nom, tandis que nous allons nous relever de cette position, donne-nous l'assurance que tu permettras à chacun de nous de faire une nouvelle expérience avec toi et de dire tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, bénis, pardonne, exauce, car c'est au nom de Jésus que nous te prions. Le chantant mon numéro 597 et encore une fois nous vous invitons à vous mettre debout. Plus.
Oui, Seigneur, tu nous as tant aimés. Ce n'est pas l'expression du cœur d'un écrivain, mais c'est l'expression de notre reconnaissance envers toi. Tu nous as aimés en mourant à la croix. Tu nous aimes encore en nous accordant la possibilité de comprendre ta parole. Et tu nous aimeras toujours quand nous serons introduits dans ton royaume de gloire. Aide-nous, Seigneur, à ne pas gaspiller les avantages et les opportunités que tu nous accordes. Permets-nous de rester accrochés à tes promesses, de les réclamer et de savoir qu'avec toi, toutes les promesses sont certaines. Viens donc à notre secours une fois de plus. Parle-nous toi-même. Guide-nous, dirige-nous et remplis-nous de ta présence. En Jésus, pour ta gloire, Père, nous te prions. Amen. Nous sommes très heureux de vous revoir. Et nous vous disons bienvenue dans la maison du Seigneur. Ça nous fait plaisir de revoir notre ami. Rappelle-moi ton nom encore. Notre frère Jean-Arnaud Lindor. Une fois de plus, bienvenue dans la maison du Maître. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être ici. Il y a de nouveaux visages, nos trois amis. Bienvenue. La journée a été bonne, j'espère. Dieu vous a visité et quoi qu'il advienne, ayez toujours les regards sur le Maître. Il est le seul à ne jamais nous abandonner. Sa parole déclare, Père et Mère vous abandonneront, mais l'Éternel vous recueillera. Et il nous a dit, l'Éternel est avec nous tous les jours. Jésus est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous sommes tous flattés d'être là et nous disons merci au Seigneur du fait que nous sommes là. Nous l'avons déjà dit, nous le répétons une fois de plus. Cette semaine, tous les jours sont les derniers. Et savez-vous ce qui arrive? Ce qui est intéressant, sans que vous et moi, nous en soyons conscients, il y a une période sur la terre, tous les jours seront les derniers. On verra les choses s'accomplir naturellement. On se lèvera, on ira au travail. Et puis, vous ne savez pas que ce sera pour la dernière fois que vous démarrez votre voiture. Vous ne savez pas que c'est pour la dernière fois que vous allez rentrer au bureau. Et je crois très sincèrement que vous et moi, nous souhaitons que ce jour vienne, pas vrai? N'auriez-vous pas aimé voir Jésus revenir? Ce n'est pas une histoire, hein? Ce ne sont pas des contes de fées. Jésus revient bientôt. Alors que je compte les derniers jours de la semaine, vous pouvez comprendre que je présente également mes derniers messages pour cette série. Ce message, je devais le présenter depuis samedi dernier. Mais celui qui est plus grand que moi m'avait ordonné de le changer. Mais je tiens à le présenter. Et ne soyez pas surpris de la manière dont je présente ce message. Va mettre à nu aussi la tendance, je ne dirais pas de l'Église adventiste, mais de certains de nos frères et sœurs adventistes. Et j'aurais aimé que l'Église prête attention à ce message. Et pour vous, qui n'avez pas encore été exposés
à cette présentation et pour vous qui êtes adventiste et qui croyez que l'on ne doit pas faire ça de cette manière. Voici de telle manière qu'il faut faire. Je ne vous dirai pas non plus la manière dont vous devez le faire, mais je vous laisserai avec le texte et votre conscience. Que Dieu vous aide. L'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Pas que ce fut le dernier livre à être écrit. Vous savez très bien, la manière dont les livres de la Bible sont classés ne veut pas dire que c'est de cette manière chronologique les livres ont été écrits. Ne l'oubliez pas. À l'introduction, je vous avais dit que dans l'Ancien Testament, quand vous voyez Genèse, Genèse n'a pas été le premier livre écrit. Le premier livre écrit est Job. Mais les frères qui se sont adonnés à canoniser, c'est-à-dire à considérer les livres qui doivent faire règle de foi pour les chrétiens et dans quel ordre ils doivent être à partir de la teneur, vous comprenez très bien, Job nous parle de l'intégrité d'un homme qui n'a jamais failli dans sa relation avec Dieu, alors que Genèse nous parle de l'origine des cieux et de la terre. Donc, il faut commencer avec le commencement. Au commencement. Donc, il faut commencer avec le commencement. Donc, c'est ainsi que l'Apocalypse, ça ne veut pas dire que l'Apocalypse est en date le dernier livre, mais on a considéré, d'après le sujet présenté par Jean, que ce sera le dernier livre. Et nous disons merci à Dieu qui veille. Dieu veille sur sa parole. Satan a tout fait pour détruire la parole de Dieu. Mais Dieu veille. De telle sorte que la Bible, ce livre que vous avez en main, vous ne pouvez pas l'idolâtrer. Ce n'est pas un Dieu, mais il nous parle de Dieu. Donc vous devez lui accorder toute sa valeur. Et s'il y a pour vous un compagnon de route dans la vie, ce doit être la Bible, la parole de Dieu. Donc ce soir, nous allons voir les deux femmes présentées dans l'Apocalypse par Jean, le serviteur de Dieu. Et qui des deux femmes choisir? Parce que vous ne pouvez pas avoir les deux. Il faut choisir une. Une doit s'en aller. Même si à un moment donné, vous aviez deux, mais Dieu va intervenir et il faudra laisser l'une d'entre elles partir. Ça a été l'expérience d'Abraham. Agar devait partir. Elle ne pouvait pas rester. Peut-être assis où vous êtes, il y a deux femmes dans votre vie, garçon ou femme. Il y a deux femmes dans votre cœur, mais l'une d'entre elles doit partir. Alors demandez au Seigneur toute la lucidité nécessaire pour que vous sachiez quelle décision prendre. Et à partir de quels critères? Parce que, écoutez, vous...